toute la population d'un village de France a été tuée soigneusement, méticuleusement. C'était le 10 juin 1944. À 2h de l'après-midi, les SS sont venus. Ils ont rassemblé toute la population sur cette place. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes et les enfants. Les hommes, on les a emmenés dans des granges et abattus. Et puis on a mis le feu à leurs cadavres. Un des rescapés miraculeux nous guide à travers ces décombres atroces. Les femmes et les enfants, on les a rassemblés dans l'église et on les y a mitraillés et brûlés vifs. Même les bébés dans leur voiture. Par cette fenêtre, une femme a pu s'enfuir, une seule. Plus de 1000 morts, une ville incendiée, fusillée, torturée. Ici, tout est mort. Hier, un village, à 20 km de Limoges. Aujourd'hui et pour toujours, un des hauts lieux de la cruauté hitlérienne. Oradour-sur-Glane, nom qui résonne comme un glas. Un village réduit à son cimetière, d'où les derniers vivants ne peuvent plus s'arracher. Un désert qui fait penser au cataclysme. Une seule maison ressemble encore à une maison.